Hello la Légion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Mais il y a une dinguerie qui est sortie cette nuit sur PG Sharp. PG Sharp, pour ceux qui ne connaissent pas en rapido, c'est le fake GPS pour PC et Android. Tout simplement. Donc si vous voulez plus d'explications sur le fake GPS, enfin sur ce qu'il permet ou comment l'installer, je vous invite à aller jusqu'à la fin de la vie de cette vidéo. Je mettrai les deux vidéos pour l'explication et comment l'installer. Et du coup pour la dinguerie, vous avez vu la miniature, vous avez lu le titre. Et c'est bien ce que vous pensez. Ils ont acheté, enfin ils ont sans doute franchi le pas de trop, je trouve. Peut-être, potentiellement, on va en parler. Du coup, cette nuit, après la petite mage de PG Sharp, je suis venu dans mes options pour voir si tout était encore bien coché comme je voulais. Et mon regard, il était attiré par le petit bêta là. Au début, je me suis dit, ah bah tiens, nouvelle option, naïvement. Et puis j'ai lu. Donc le raid et gym battle là, c'est en gros, les raids c'est les raids et les gyms c'est les arènes. Assistant, je me suis dit, oh putain, c'est pas possible, ils l'ont mis. Ils ont franchi le pas que j'espère qu'ils ne franchiraient pas. Et en fait, naïvement, j'étais un petit peu dans le déni au début. Je me suis dit, ouais, non, c'était une assistance, genre qui montre comment les enfin, qui montre mieux les attaques arrivées ou tout comme ça. Je me suis dit, on va tester direct hein, pour voir. Et en fait, vous allez voir, c'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que vous pensez. Et maintenant, on peut faire les raids sans plus rien branler, littéralement. C'est les raids et les arènes. Hein. Ça sera, vous allez voir, ça. Ma souris, je vais l'écarter. Vous allez voir, ça va bouger tout seul. Regardez, elle est là. Il va faire tout seul. C'est incroyable, mais. Mais vrai, ils l'ont mis. C'est vraiment le pas que je disais qu'il fallait pas franchir. J'espérais qu'il franchirait pas. Alors, le bon côté des choses. Si on essaie de trouver un bon côté des choses, parce que enfin, j'y ai réfléchi et je suis moins outré qu'au tout début. Je me dis qu'au moins, c'est pas comme comment le combat contre la Team Rocket qui est maintenant qui est fait direct. Ici, avec les raids et les arènes, ils font quand même le combat. Vous allez voir, ça combat quand même. Gardien. Alors, pour les raids, à mon avis, ça restera toujours comme ça. Et ouais, il tape tout seul, ma souris là. Alors, je me suis dit au début, bah, ils ont juste ajouté un clicker. Ça existe, il y a des gens qui jouent déjà avec des clickers sur les PC. Donc, un clicker, c'est en gros un programme qui simule les clics de souris. Sauf que vous venez de le voir, il a évité aussi les attaques. Il évite aussi les attaques. Alors certes, c'est sans doute moins optique que si c'est nous qui le faisons. Mais en gros, c'est quand même vraiment très fort, surtout pour ceux qui ont du multi-compte. Et c'est là aussi, c'est un des trucs que je me disais, hein, c'est peut-être pas si mal que ça. Parce que regardez, il a pris les dégâts, il évite pas toujours bien. Après, c'est encore une bêta, hein, ça va peut-être s'améliorer. Mais donc, je me disais, c'est peut-être le. Le bon côté des choses, c'est que du coup, pour les gens qui ont plusieurs comptes, pour tout ce qui est raid, etc., bah, ça va grandement les aider. C'était galère. Hein. Si vous avez genre 4-5G téléphone, on va pas se cacher, c'était la misère. Et en soi, s'ils savent être performants en raid, bah, c'est bénef pour même les joueurs légit. Parce que on est tout, peu importe les joueurs, on est toujours content qu'on peut faire un raid grâce à un mec qui arrive avec ses 4-5 comptes, voire plus. Donc je me suis dit, ça, c'est. Bah ça c'est peut-être pas si mal. Ouais, hop, j'ai rien fait. Hein. Donc je vais vous montrer après pour les arènes. Donc, je me suis dit, ça c'est pas si mal. Mais voilà, le problème c'est que potentiellement, en fait, maintenant, imaginez-moi, bah, je prends deux licences. Donc à 5 euros, donc ça me fait 10 € par mois. Mes 4 comptes. Donc, et en fait, j'aurais juste à venir aller à Tokyo, New York, enfin n'importe une grosse ville. Et j'aurais juste à balancer mes 4 comptes en fait et puis partir. Je pourrais juste partir. Ou foutre autre chose sur le PC pendant que mes comptes vont jouer tout seul. Merde. Littéralement. Et je trouve ça assez. En vrai, je m'en fous un peu de le capturer parce que. Ouais, il traîne quoi. J'en ai déjà plein. Vous pouvez clairement littéralement être sur votre PC, je sais pas, sur Facebook, et pendant que vos 4 comptes vont taper tout seul. Et je vous dis pas pour les mecs qui ont 10 comptes. Hein. S'il y a des gens qui ont 10 comptes, potentiellement, ou qui ont du coup, on va avoir l'idée d'avoir 10 comptes. 10 comptes, c'est 20 euros. Qu'est-ce que je raconte? 10 comptes, c'est plus. C'est 5 euros pour 2 comptes. Et en gros, bah, en fait, ils pourront. Une arène. Ah ouais. Oh putain, les jaunes. Fatalement, on va aller taper ça là. Ils pourront juste jouer tout seul en fait. Si vous avez 10 comptes, vous payez assez de licences, bah vous jouez tout seul. Vous pouvez jouer à Pokémon Go tout seul.
Bon, si vous avez un PC qui le permet aussi, pour faire tout tourner. Tous les PC ne permettent pas de faire tourner plusieurs comptes, mais dans les faits, vous pouvez potentiellement. Enfin, en théorie, vous pourrez jouer tout seul, littéralement, sans aucun souci. Maintenant, donc ça, je trouve ça assez hard. Et là, par contre, je vous dis, pour les raids, à la limite, allez, je peux me dire, ça tape quand même, je peux comprendre. Par contre, pour les arènes, ça me pose plus de problèmes, parce que déjà, la raison principale qui fait que j'ai commencé à faire GPS, c'est que dans ma ville, et globalement partout, c'est infesté de fake GPS qui prennent les arènes et qui spamment comme des porcs sans bouger de chez eux, donc c'est injouable quand t'es legit. Si t'aimes bien capturer les arènes, bah tu sais juste pas jouer en fait. Je vais quand même accélérer un peu. Tu sais juste pas jouer parce qu'en fait tu prends l'arène et si c'est vraiment des fake GPS qui jouent les combats d'arène, dans les 5 minutes ton arène est reprise. Du coup, j'ai commencé à fake GPS pour ça. Sauf que maintenant, parce que moi là pour le coup, j'ai quand même du mal à me dire que je vais. Jouer comme ça, là, pour lancer le combat, vous allez voir. Des fois, je le mets là. Hein. Ma souris est là. Mais donc, j'ai du mal à me dire, je fais juste jouer bon, l'espèce de bot. Maintenant, c'est un espèce de bot. Et je me dis, oui, le problème, c'est que l'effet que GPS, non seulement ils bougent pas de leur canapé, bien en parlant, après, voilà, c'est une question, c'est du choix, je ne critique pas, mais le truc, c'est que du coup, ils ont même plus besoin de jouer en fait. Donc, je vais me faire dépop la gueule. Alors qu'ils font rien en fait. Et ça, c'est. Enfin, tout. Je dis moi, mais. Tout le monde en soi. Le seul truc, c'est qu'il faut cliquer quand même sur combat. Mais bon, ça lance tout seul au final. Hein. Vous attendez 10 secondes et ça lance. Mais bon. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une très mauvaise chose? Est-ce que c'est une dingue. En fait, est-ce que c'est une dinguerie ou une chose, joueur, une catastrophe en fait? Parce que. Surtout que je pense que du coup, pour les arènes, ils vont arriver au moment où ils vont sûrement trouver une façon de faire comme la Team Rocket où c'est le combat est fini instant et du coup vous allez choper l'arène quasi instant quoi. Les raids, ça comme ça avec plusieurs joueurs qui a des legit et tout, ils pourront jamais le faire. Enfin, je pense pas. Mais les arènes, potentiellement, en fait, en théorie, ils peuvent le faire. Je suppose. J'espère pas, mais ça sera encore pire. Imaginez si les arènes sont prises direct. Mais je sais pas, je me dis en fait, si le jeu commence à jouer comme ça tout seul, la prochaine étape c'est quoi? Votre perso va capturer tout seul, vous voyez? Comme au tout début, ceux qui connaissent, il y avait des. Sous... Je sais plus sur quoi, c'était Boostack. Non, c'était un autre truc. Mais bref, en gros, vous pouvez faire un petit parcours de personnage. Et en fait, il marchait tout seul. Et capturait tout ce qu'il voyait. Il prenait les Pokéstop, capturait. En fait, c'était littéralement des bots. Et ben, je dis, la prochaine étape, c'est ça, quoi. En fait. Je sais pas, je trouve que ça devient compliqué. Donc, dans les commentaires, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Mais. Je suppose qu'il y a des gens qui vont trouver ça pas mal. Moi, je suis vraiment partagé. Je sais pas du tout. Là, pour l'instant, je suis encore trop dans le peut-être dans le feu d'action. J'ai peut-être pas assez de recul. Mais là, pour l'instant, je suis très partagé. Plus, et je penche quand même plus du côté. C'est quand même une grosse merde. Hein. Alors, bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo parce que à la base, on devait faire une autre vidéo, donc je vais sûrement la faire. Et du coup, vous aurez sûrement deux vidéos en une semaine. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Si ça vous a plu, et je vous dis bye bye, bonne journée, lutter, tout ça. Ciao!